Je suis surtout connu sous Biron des Bois. Donc, c'est sous ce pseudonyme que j'ai publié mon témoignage concernant mon arrestation et ma torture lors de la manifestation du 15 mars 2013. C'est ma première expérience du genre et ouais, je dois dire que ça rentre dans le corps. Depuis un très jeune âge, je m'intéresse quand même au niveau à la politique, à la société, sans nécessairement m'impliquer ou m'activer, mais plus discuter, conscientiser dans mon entourage. Puis est arrivé Occupy Montréal, dans lequel je me suis beaucoup impliqué. Lorsqu'est arrivée la grève étudiante, vers début 2012, j'ai participé en essayant de faire de la couverture photographique lors de manifestations. Mais j'essaie de jouer une espèce de rôle entre médias et activiste, c'est-à-dire d'être présent pour sortir des images, pour témoigner de ça, pour transmettre l'information, mais aussi à l'intérieur de ça, les droits de filmer, de photographier, parce que si on veut raconter nos propres histoires, on peut pas compter sur les médias de masse pour le faire. Comme je veux être dans le feu de l'action, comme je veux essayer d'être le plus près possible. Je dois être protégé contre la violence que les policiers peuvent effectuer. Donc, j'avais en dessous de mes vêtements des jambières de joueurs de hockey, jackstrap, plastron, épaulettes, protège-cou, un casque avec ma caméra GoPro, des lunettes de ski, une cagoule ainsi que un masque pour me protéger au cas où il utiliserait des gaz. Donc, je me suis dirigé ainsi équipé vers la manifestation dans le but d'être témoin de la brutalité policière et de pouvoir apporter ces images à la population et les diffuser. Donc, je me suis rendu là-bas, mais avant même que j'atteigne la manifestation, on m'a arrêté en vertu du règlement P6 qui interdit le port du masque. Donc, on m'a arrêté étant donné que je portais des lunettes de ski et s'en est suivi. Il y avait tellement de policiers, puis il y avait beaucoup de policiers où j'étais, plusieurs sur l'autre coin de rue. Il y avait deux camions ici, il y avait des gens qui passaient de l'autre côté. Ils me demandent, ils interviennent, puis ils me demandent d'aller les voir. Puis sur le coup, bien, bref, j'ai pas vraiment envie d'aller les rencontrer, mais ce qu'ils me disent, c'est « Ah, non, tu sais, ils essayent de me rassurer, viens juste, on veut te parler. » Puis, tu sais, je me dis « Bob, OK, j'ai des lunettes de ski, mon visage est quand même caché, peut-être qu'ils vont simplement me dire « Ah, tu sais, regarde, vu aujourd'hui, là, on applique P6, tu sais, enlève tes lunettes, baisse ton foulard. » Mais non, une fois que je m'approche d'eux, ben, je suis entouré, puis ils me disent que je suis arrêté en vertu de P6. Puis ils m'ont mis les tie wraps. Puis quand ils m'ont mis les tie wraps, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Waouh! J'étais vraiment frustré qu'on viole ma liberté comme ça. Avant de subir ça, puis avant d'en être témoin,
c'est difficile de connecter ou par exemple d'avoir de l'empathie parce qu'on ne sait pas c'est quoi les impacts, quelles sont les émotions qu'on ressent quand on subit ça. Mais une fois qu'on l'a subi, on est en mesure de vraiment connecter avec les autres personnes qui ont subi ça et d'avoir ce lien de solidarité. Puis à ce moment-là, quand j'avais plus mes mains libres, puis que j'avais les tire up, ils ont quand même assez serré fort. Je me suis mis à prononcer à haute voix le fait que j'étais pas dangereux, que j'avais commis aucun crime, que j'étais là en tant que média et que je demandais à ce qu'on desserre mes tire-up parce qu'ils étaient douloureux. Sauf que les policiers, quand ils se sont rendus compte que j'avais attiré l'attention, ils ont décidé de me déplacer une rue plus bas pour m'amener à un fourgon. Donc tout le long que je marche comme ça, je continue à qu'on me traîne plutôt. Je continue à dire que je suis pas dangereux, j'ai commis aucun crime, que j'étais là en tant que média, que les tire-up étaient trop serrés parce qu'ils les avaient resserrés à l'autre coin de la rue. Parce que j'avais commencé à m'exprimer haut et fort. Ils les avaient resserrés. Je leur demandais de les desserrer, puis eux, ils faisaient le contraire. Puis, quand je suis arrivé derrière le fourgon, bien, j'ai vu qu'il y avait une autre ligne de police sur le coin de la rue, là. Il y en avait où le métro, bref, il y en avait partout. Ils m'ont enlevé mon casque, ils m'ont descendu mon cache-cou, ils m'ont fouillé qu'est-ce que j'avais sur moi. Il y a un policier également qui s'est approché de moi puis qui m'a dit « Ah, c'est avec moi que tu vas passer la soirée, on va avoir du fun. » OK. Puis à un certain moment donné, ils ont fait un espèce de mouvement soudain où ils se sont tous regroupés autour de moi. Puis ils ont serré les tire-up tellement fort, puis ils ont fait quelque chose d'autre. Bref, je me suis mis à hurler de douleur. C'était la pire douleur que j'avais ressentie dans ma vie. Je me suis mis à hurler. Puis j'avais beau demander aux autres policiers de m'aider en leur demandant de desserrer mon tire-up, puis ils étaient bien témoins de ce qui se passait. Mais il n'y en a pas un qui est intervenu. Tu sais, quand j'entends dire « Ah, c'est un cas isolé ici » ou... Non, je ne sais pas combien de policiers j'ai croisés. Peut-être 30, 40, 50, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui est intervenu pour arrêter ça. Puis après l'extrême douleur qu'ils m'ont infligé, ben, j'avais plus de circulation dans les mains. C'était vraiment douloureux. Puis ils en étaient pleinement conscients. Puis ils ont rien fait. Puis il y en avait certains qui semblaient même y trouver du plaisir à me voir souffrir. Quand ils m'ont infligé cette douleur-là, ben pour moi, c'est de la torture. Ben, il y avait le chef de police, Marc Saint-Cyr, qui était juste de l'autre côté du trottoir.
Il n'est pas intervenu non plus. Et maintenant, je comprends un peu plus le rôle de la police. C'est pour moi des terroristes. Ils utilisent la terreur, ils essaient de terroriser les manifestants pour qu'ils aient peur d'aller manifester, pour qu'ils aient peur de prendre la rue. On veut le SPVM, les autorités veulent traumatiser, à mon avis, les gens qui manifestent. C'est leur tactique actuelle. Et en quelque part, ça fonctionne. Mais ça peut prendre... C'est une arme à double tranchant. Dans le sens que, oui, ça peut apeurer beaucoup, beaucoup de gens, mais ça va en endurcir beaucoup. Ça va en radicaliser plusieurs. C'est ce qui m'est arrivé. Puis... on m'a baissé mes pantalons. Puis après ça, on m'a envoyé dans le fourgon. Il y avait quelques personnes déjà à l'intérieur. Puis, à un certain moment donné, j'ai vu arriver une jeune femme à l'arrière du fourgon. Elle avait l'arcade sourcilière en sang. Elle avait aussi le genou... un de ses genoux qui était en sang aussi. Elle portait des collants, puis son collant était déchiré au niveau du genou. Puis elle était en choc. Puis l'information que j'ai eue à ce moment-là, c'est qu'elle avait été jetée par terre par les policiers. Puis c'est le comportement aussi du policier qui l'a fouillé aussi. La jeune femme apportait des collants, je veux dire, on peut voir qu'elle n'a rien en dessous de ses collants, c'est ses jambes. Mais le policier a quand même fouillé, a quand même pris ses jambes entre ses mains puis remonté jusqu'en dessous de sa jupe. Puis pour moi, c'est de l'abus, ça. Puis de voir cet abus-là, puis de voir à quel point ils ont du pouvoir dans les mains et qu'ils peuvent en faire l'usage qu'ils veulent et qu'ils ont une immunité par rapport à ça. Ça, j'ai vraiment trouvé ça dégueulasse. Puis ça donnait le goût de simplement me lever dans le fourgon, de courir et de sauter sur le policier. Parce que il n'y a aucune raison pour faire ça. Il n'y a aucune raison pour faire un tel abus. De profiter de pouvoir comme ça. On est loin de l'espèce d'image que la police est à travers les grands médias, ou qu'elle veut se donner de protéger et servir. Protéger et servir qui? Protéger et servir dans quels intérêts? C'est plus je suis en proximité avec les forces de l'ordre, plus je comprends le slogan la police au service des riches et des fascistes. Parce qu'on dirait que une vitrine de commerce fracassée a plus de valeur que a plus d'importance et plus grave à leurs yeux qu'un crâne fracassé, qu'une vie fracassée, qu'un membre fracassé. Rendu au centre de détention, bien, c'était assez long, vraiment long. Puis j'étais en douleur. J'étais vraiment en... Je devais gérer une douleur vraiment, vraiment intense.
dans une situation où je sentais que personne pouvait m'aider. Après un certain temps, il y a trois policiers qui viennent me voir avec une paire de pinces dans les mains. Puis quand je me tourne pour leur montrer mes mains, ils sont vraiment, vraiment surpris de l'état de mes mains. Ils s'exclament quelque chose comme « Holy shit! Comment tu veux qu'on enlève ça? » Fait qu'ils décident de couper ce qui joint mes deux mains, le tie wrap. Puis je peux enfin comme voir mes mains. Puis ils sont vraiment d'une couleur affreuse, d'un bleu mauve. Puis la peau est toute pliée, je veux dire. Quand ils essaient d'enlever le tie wrap, il faut qu'ils compressent mon poignet encore plus pour essayer de se trouver de la place entre le tie wrap et mon poignet pour le couper. Puis après ça, ils m'ont pris en photographie. Ils m'ont demandé de me mettre dos à un mur, puis photographie face, côté, de dos. Puis après ça, ils m'ont envoyé en cellule. De vivre la répression policière, de vivre le fait d'être incarcéré, le fait de perdre sa liberté, c'est des expériences, à mon avis, à vivre. C'est pas des expériences qui sont nécessaires. Je souhaite pas ça, mais en même temps, pour bien comprendre le système dans lequel on vit, il faut parfois y goûter pour vraiment comprendre réellement ce qu'il est et ce qu'il est prêt à faire également pour se protéger. Ouais, puis quand je suis arrivé en cellule, puis que j'ai retrouvé un des camarades en cellule, ça l'a fait du bien. Puis on a eu de super bonnes discussions, on s'est remonté le moral aussi. Puis, on a accueilli les autres détenus. Ils nous ont raconté pourquoi ils étaient arrêtés. On leur a donné des conseils aussi par rapport à leur situation. Des discussions politiques également au centre de détention. Qui on était, qu'est-ce qu'on faisait aussi. Bref, ça a été vraiment un beau moment de solidarité. On m'a redonné mon sac d'effets avec une contravention sous le règlement P6 de 637 $. J'ai sorti un à un les objets pour voir si tout y était, pour me rendre compte qu'il manquait ma carte mémoire de ma caméra GoPro qui avait filmé une bonne partie de mon arrestation. J'ai passé devant plusieurs, peut-être entre 5 et 10 policiers qui étaient comme autour d'une table avant de sortir. Puis je leur ai dit, je suis triste. Triste que vous ayez à faire cette job. Puis ils ont vraiment pas bien reçu le commentaire. Puis le policier qui m'escortait jusqu'à la sortie a poussé la porte. J'ai poussé l'autre, je suis sorti. Puis avant que les deux portes se referment, je me suis fait interpeller. Je me suis fait interpeller par un policier, celui qui avait échappé le change par terre plutôt. Puis il m'a dit « Hey! » Puis je me suis retourné. Puis il m'a pointé du doigt, puis il m'a dit « Toi, on va se revoir à un moment donné dans une ruelle. » Bang! Les deux portes se referment, puis c'était ma fin à l'intérieur du centre de détention. J'ai été menotté pour aucune raison valable. J'ai été torturé, j'ai été menacé. J'ai été... Ma liberté a été violée. C'est ça que j'ai ressenti. Comme un viol. On ne peut pas penser que le maintien de l'ordre de cette manière n'aura aucune conséquence, qui peut
que les forces de l'ordre peuvent attaquer, matraquer, brutaliser, torturer des gens, des jeunes, bref, la population, sans qu'il y ait à un certain moment donné un retour de flamme. Avant le 15 mars 2013, ouais, je voulais contribuer par la photographie, par le fait de filmer, par le fait de diffuser ça. Mais là, j'en fais une dévotion. Ça, je vais combattre cette désinformation-là, puis combattre la brutalité policière, combattre le pouvoir qui approuve ça, combattre les institutions qui collaborent à ça, combattre ceux qui collaborent à la répression policière. Je peux pas simplement, personnellement, me dire « Ah, ça s'est passé, voilà, et poursuivre ma vie, non. » Je vais me battre pour trouver ma justice dans un esprit de diversité des tactiques. Donc, pour moi, le système judiciaire ne sera qu'une tactique parmi une autre. Puis je compte pas vraiment sur ce système-là pour m'apporter beaucoup de justice. Mais en aucun cas, je vais les laisser s'en tirer. Comme si de rien ne s'était passé. Que ce soit que envers ceux qui ont participé directement à ma torture, que ce soit ceux qui ont été complices, que ce soit ceux qui se sont pas levés par rapport à ça. Tôt ou tard. À force de se frotter à eux, ben, à force d'avoir une certaine proximité, on s'endurcit. Puis le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu, en quelque part, ça m'est utile. J'ai vu une partie de jusqu'où ils sont prêts à aller.
La lutte continue et ne fait que commencer. Puis, si on est honnête avec nos convictions et nos désirs, ça va nous prendre beaucoup de courage et ça va être très difficile, mais ça va valoir la peine. Et je serai aux côtés de ceux qui voudront se battre.